hier soir dans Jacques Mel, dans toute équipe Radio Kiskeya et dans nos Marvel avec moi, n'a présenté sincère condoléances nous by entrepreneur Gérard Bogulus ensemble avec famille. Nous connaît qui journée jeudi a c'est une journée terrible pour lui. Côté yo chanté enterrement Moïse qui était seulement 5 ans. Premier petit lit dans 4 petites lit avec Padonni. Donc, nous partager douleur, famille, Bogulus, Gérard, Meuse et bons amis très proches autour, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance. Nous connaissons qui te fait toute diligence pour te sauver Moïse et c'est Ménégite qui peut te l'aller. Il te couru avec dans le pays États-Unis pour essayer de sauver malheureusement. C'est un petit monde plein de vie, un petit monde extrêmement intelligent, qui te fait joie famille, joie tout le monde qui te connaît, et malheureusement, et Moui, et 10 ans, ça, matin, en termes de chanter dans l'église de Dieu, et Nazon, et ils ont fini la cérémonie dans le parc du souvenir. Faut que nous disions, M. Bogulus, ensemble avec Frère Meuse, c'est des mounio qui sont très sensibles pour l'équipe Radio Kiskeya. Et c'est des gens qui soutiennent Radio Kiskeya discrètement. Donc, nous remercions et c'est des amis personnels tout pour deuil ça. Il y a vive journée jeudi et qui accable tout le monde qui connaît famille ça. Donc, nous souhaitons M. Bogulus avec Madame Ni un pile courage pour affronter épreuve ça. Soulignons, nous gagnons jeudi, comment est-ce? Un petit bonsoir à tous les amis auditeurs de Radio Kiskeya. Tout le monde a écouté nous partout, côté unier. Et effectivement, la police de Jamel, particulièrement, SBPJ, lui mettre main la collecte matin, samedi 30 novembre, 2019, avec 1040 militants à l'aile de l'hiver, avec 7 autres citoyens parmi nous, un grand frère, Clément de l'hiver, dans le carrefour de la vallée de Jamel. Arrestation sérieuse faite suite à mandat à commissaire gouvernement pour ton président, peut émettre d'ailleurs ancien député Dema Tabala à l'Elbéliser, peut-être il a fait déclaration, il va sauter ambassade américaine. Dans la conférence sur la presse, porte-parole adjoint la police d'Arrangeapel, Gary Victor, déclaré pendant l'arrestation sérieuse, il a saisi 9 gros armes, 14 téléphones, 2 grenades, à campagne de munitions. Et M. Vitou, 248 billets, 1000 gouttes, ancien député de Makabala, avec Bélizère qui a sorti dans le cadre du commissariat Jacmel, accompagné police et soitio en direction à l'invasion Jacmel pour le droit hélicoptère Tébi. N'a pas cité, bataille a continué. Quelques minutes après, la police nationale a transporté cet autre citoyen sous machine en direction du Port-au-Prince. Ancien député avec Bélizère, lui-même, comme on dit, sous incitation à la violence, à contrôler contre la sécurité de l'État. On veut dire la police, après arrestation, ça, est rendue dans Yakino, au hôtel de la poursuite ouverte à New York, côté de perquisition, côté, il a saisi nos âmes dans l'hôtel qu'a connu la construire. Et pour, on dit, pour, François Mathieu, pour Radio Kiskeya, lui, on a arrêté à ce journaliste, Robertson Henry. Qui a 39 ans, Alain Bélizère, qui a 50 ans, Jean-Pierre Fleury, qui a 33 ans, Pierre Kilic, Camélis, qui a 33 l'année, Bélizère, Clément, et Fleury, qui a 52 ans, Paul Joannel, qui a 34 ans, et Félimon Gary, 46 années, et puis pour finir, Estoril Mackinson, qui a 43 années. C'est toute information que ça a pour Radio Kiskeya, pour tout producteur Radio Kiskeya, en ce qui a trait à l'arrestation. Ancien député Delma Tabala à l'Elbéliser. Oui, je dis, porte-parole de la police, tu as des détails qui n'ont pas la fin de l'examen. Porte-parole de la police, là, l'enquête d'information que l'été banni Gary Victor, en premier lieu, c'est ce qu'on est, en cadre pour pacifier, à sa société même pour Jacques-Mel, c'est un cadre pour pacifier. Le Jacmel lui-même qui a un problème de sécurité là-dedans, mais quand on est à l'arrestation pour Jacmel,
ne pas arrêter l'huile Moussaïo pour association malfaiteur avec contrôle contre la société de l'État. C'est pour ça, le porte-parole lui-même, nous te bat information, côté d'après, côté journaliste, dans le bureau commissariat avec nous. Oui, mais mandat commissaire gouvernement, pas de président, pas de parler de mon autre nom. Effectivement, je ne pas connais, je ne pas arrivé sur la question de la police nationale, la ville d'Armel, c'est des mandats l'armée pour te mettre main sur Armel Bélizère, mais sauf, comme je le dis, pour la police nationale, les déclarations verbales, d'après votre parole là, à Gary Victor, qui a fait connaître, c'est justement ville d'Armel, entre l'école là. Et après l'école là, qu'en fait, 2 décembre, dans l'île d'Armel, pour pacifier les villes là, ils ont fait arrestation, ça. C'est information, ça, qui est radio qui se fait là. Toutes les stations de radio qui étaient là. Et est-ce que tout le monde est arrêté à la transférer à Port-au-Prince? Oui, c'est comme le dit Mme Liliane Prépol, 8 pêcheurs, ils ont la coupe Port-au-Prince pour qu'on est là. Mais pour Anel Bélizan, ce député Kabbalah lui-même, il était en route à Aviation Jacmel, côté l'été allé à bord ou côté hélicoptère. Même si à bord hélicoptère, notre poumon, c'est par la route. Dis. Vous avez une question, madame? Oui, mais notre poumon, c'est par la route. Oui, notre poumon, c'est pour Janis Robertson, arrive lui-même, il est très présent. Est-ce que c'est la police Jacques Bell qui fait arrestation ou bien t'es gagné? Mais est-ce que la police Jacques Bell pour qu'on fait arrestation ou bien t'es gagné l'autre policier qui est sorti par tout presse d'arrestation? La police Jacmel, quand on dit, est-ce que c'est l'autre pour arrêter Ariel Bélizère? C'est lui-même qui fait le pour côté ou bien tu as gagné une unité spéciale qui te sorti pour ton presse? Bon. Je vais remarquer, Aïssa Chossa arrivé suite à la police, le FEMA lui-même qui est arrivé. Encerclé au hôtel Ariel Bélizère, Tamba et Conférence, côté Ariel Bélizère lui-même, et sauvé, mais comme il a été appris dans le Jacmel, parce qu'il était déterminé pour le Jacmel, et d'après proche famille, il était conseillé dans le Jacmel, lui-même était le Jacmel, il a été minuit 40 pour ça, en cafou là-bas le Jacmel, mais la police a dit est-ce que vraiment, il te demande d'aller pour t'arrêter à Anel Bélizère. Mais écoutez, à qui est la situation présente Jacques Bell? Allô? Qui est la situation est dans la ville de Jacques Bell? Bon, pour nous dire, pour l'arrestation en fait de petit tabac là, à Anel Bélizère, et dans tout le monde qui est massé devant le commissaire Jacques là, mais jusqu'à présent, il ne faut qu'on fait rien. Mais pour qu'on ait là pour nous, Jacques lui-même, pour lui, toute activité reprendre, côté pas de barricade encore, tout le monde a vaqué à l'occupation dans le Jacques. Mais sauf qu'il a annoncé pour réviser les semaines, l'école a pour l'envie Jacmel pour permettre que les gens même reprennent et à tout plein de restrictions. Bien, merci, Molo. Si vous avez l'autre information, vous allez nous connaître. Allô? Oui, Molo, merci. Si vous avez l'autre information, vous allez nous connaître.
Merci, merci à tous les auditeurs qui permettent d'entendre informations qui sont dans le département sud-est, côté la police nationale, qui vont finir arrestation à l'aide de l'hiver. Merci, Valérie Kifia, merci beaucoup. Merci, c'est correspondant nous dans le sud-est, Jeudi Monose, sous arrestation, ça nous connaît, qui dominait l'actualité week-end. Non? Réaction, nous pouvons gagner réaction dans la classe politique en tant que telle, ni pas gagner une précision tout, gouvernement bail, mais le coordonnateur collectif 4 décembre qui réagit sous arrestation hier soir dans le département sud-est de Jacques Mel, ancien député d'Elma Tabar. Bon, depuis ça, nous connaissons tous deux côtés ça, il y a un propre député par eux, il n'y a pas fond seul encore, M. Arnel Bélizer. À la tête collectif 4 décembre, a posé tête des questions et sous l'égalité des marches commissaire gouvernement AIA, M. Jacques Lafontaine qui était lancé mandat d'amener contre ancien parlementaire qui se dirigeant politique tout, alors que la pose tête des questions sous cas flagrant délit. Cependant, Jean-Robert Argan, même à tout le monde qui voit une série de images à vidéo concernant gros âmes et qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui t'a pour ancien député ou bien t'es jeune avec lui, il dit la police si yo joine et toutes âmes ça yo selon lui même la justice t'a dû faire travail li. Mais sous plan politique responsable collectif 4 décembre nan dit li difficile pour l'analyser arrestation si là à cause ancien député a pas de faire partie de une structure politique non quoi son dirigeant politique rien di gen organisation et côté li kon habitué et proposition n'attendé. Et à la tête collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, qui te parlait comme ça dans le micro-reporter, nous, Hervé Noël. Bon, et faut nous mettre en dehors de. Faut nous essayer de pas subjectif. Et vous n'avez pas nous. Si c'est pour la police, c'est pour prouver que les fait travail que le bal fait. Très bien. Maintenant. Est-ce que lui a même nous-mêmes pour juger si ça va être le fait légal, ça c'est l'autre question. Nous-mêmes, ça nous garde, que bien il y a des réactions faites, qui demandent à tenir certaines légalités que mon gars a eu pas d'égo à cause de ce soit le parquet qui fait. Qui n'a pas d'autorité, puisque pas de flagrant pour y arrêter. Mais maintenant, comme il y a montré l'image que nous recevons au niveau politique là, qu'il y avait des armes de guerre qui n'ont pas confié qu'à particulier à elle, ce qu'on appelle sous à cause de tout, nous pensons que nous n'avons pas gagné pour nous redire ça. Et simplement, il faut que la justice soit appliquée pour tout le monde, quelle que soit la personne. Jean-Aubert, quelle signification Zach a arrêté sur ça dans le contexte de cette crise politique? Bon, politiquement, je ne vais pas analyser là, parce que là, ça nous met que c'est un citoyen, parce que Maron et M. sont pas pratiques ou n'importe quoi, c'est un citoyen qui peut être prend des positions ouvertes, vraiment. Maintenant, que la police, que la justice agisse comme elle doit agir, nous n'avons pas à redire là-dessus. Mais il faut que cette même justice agisse de la même façon qu'envers n'importe qui a transgressé le loi. Voilà, c'est coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan. Gagnant député en fonction à Odon Bien-Aimé, sous arrestation ça, mais ça le dit, il est très extrêmement prudent. Il croit que c'est une jouette cap jouette à Psytel entre président Jovenel Moïse et un ancien allié. Et parlementaire a demandé pour ne pas mélanger. Bataille, Anel Belize dit la menée avec bataille opposition, qui c'est une bataille pacifique. De l'autre côté, parlementaire a mandé la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour pas approuver demande et président Sénat dysfonctionnel l'enfer, qui besoin lever
et sénat bio parti la donne pour aller mettre dans un hôtel dans commune Pétionville. N'attendez député Aodo bien-aimé sous arrestation dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. M'a dit que m'pa kwè que nan opposition nous gon lutte armée que n'a mené. Nous pas nan lutte armée, nous non lutte pacifique. Et nous contre toute forme de violence dans pays a. Toute forme de violence. Ni moun k'ap tuer moun, ni moun k'ap utiliser zam, ni moun k'ap faire violence sur moun. Nous contre toute forme de violence n'a mené opposition pour nous défendre intérêt peuple haïtien, intérêt pays a. Si d'ailleurs tout moun connaît Anel Belize, ancien député, ancien collègue mwen, c'était bon côté du pouvoir qu'il était depuis tout ça. Si pouvoir y a fait personnel li a pris la Anel Belize, que yo réglé mais pas associé avec ni opposition institutionnelle là, ni secteur démocratique là, ni alternative constitutionnelle là. Parce que dans toute réunion que nous connaissons, nous ne pouvons pas nous, nous ne pouvons pas nous, nous ne pouvons pas nous réunir avec nous, nous ne pouvons pas nous planification avec nous. Et quelqu'un qui est capable de dire, est-ce que c'est pas parce que Anel t'a fait menace contre les États-Unis qui fait nous-mêmes dans l'opposition, t'as pensé que nous prenons distance nous, de façon pour nous toujours jouer une faveur blanc, pour nous toujours jouer un support blanc dans la bataille dans la manière. Attention, si nous devons une faveur dans la main blanche, moi crois que et notamment le public, moi, tout ça n'appelle public. Anel depuis avant, pour que tout le monde soit allié et Jovenel Moïse. C'est des partisans Jovenel Moïse. C'est ça qu'on nous dit. Il y a un problème avec Jovenel Moïse. La présence du problème avec Jovenel Moïse. Là, il y a un problème déjà, il y a réconcilié. Et là, il y a réconcilié, mon pacte qu'on connaît. Et peut-être la proposition publique qu'on a dit. Et semaine, ça a donné une proposition. L'autre semaine, ils ont leur position. Ça dit, nous autres, la opposition a pression sur des mondes qui cohérent, conséquent, qui étaient soudés et intérêt pas guider nous. Pourquoi arrestation ça, en pile monde pensé, c'est à une diversion? Même pas quoi que une population haïtienne, non, à niveau intelligence, il y a quand même et que PHTK allié, président Jovenel Moïse a équipé, prendre dans la forme de diversion ça. Pourquoi tout le monde qui a fait déclaration? Nous pensons qu'il y a une femme de déclaration, heureusement, les gens qui ont annoncé guerre civile de la pays. Est-ce que vous avez demandé d'amener d'elle? Nous pensons qu'il y a toute la déclaration et de la joie. Nous pensons qu'il y a une déclaration violente que M. Sayo fait. Ou ça nous a des gens qui ont dit, aïe, nous ne pouvons pas combien de monde qui a marché très bien, gros midi à Zamname, yo, 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 vidéo, yo, est-ce que nous avons arrêté yo? Même plus quoi que, étant donné que Anel Belize était allié, président Jovenel Moïse, allié il y a un problème, il y a un résolu problème, causio, mais ça va gagner rien à nous-mêmes, nous autres de l'opposition, c'est deux mondes qui ont un problème, madame Amouche qui a un problème, pour le monde qui voisinage, pour qu'à mettre au la souhait, on a tué l'autre, mais on passe pour entrer là-dedans au fond parce que les réconciliés la nuit, ou pas même connaître. Ça veut dire pour moi-même, et Jovenel Moïse, Anel Belize, c'est madame Amouche qui a ce problème à eux, on nous quitte ce problème à eux, et les réconciliés nous pas même connaître. Député Sir Kakavala, Aodon bien-aimé, faut que nous disions directeur exécutif RNDDH avant-hier, depuis les paquets Port-au-Prince, commissaire gouvernement Aïe, M. Lafontaine, t'es sorti mandat contre ancien député, t'es parlé dans le même sens. Non, il t'a montré, yo même dans RNDDH, yo pas préoccupé les que ces deux alliés qui a réglé affaire, c'est comme ça, t'es qualifié, ça qu'a fait là, il t'a tout profité, tout dénoncé. De dirigeants d'opposition qui n'a jamais levé tes doigts concernant l'autre ancien police qui vient tourner un chef gang qui a fait massacre dans plusieurs zones dans la capitale là, Jimmy Cherizier alias Barbecue, et il n'a jamais dénoncé d'après sa directeur exécutif RNDDH là, et a dénoncé M. Pierre Espérance dans le micro. Pourquoi dire là, c'est ça seulement nous gagnons comme réaction concernant l'arrestation de M. Belize. Et faut que nous disions, bon, tout le monde connaît toute actualité, M. Belize a été fait, 18 novembre, il était dans la rue, déclaration le fait, et puis arrivé à mandat ça. Mais en même temps, il y a des questions qui pas capable poser, et c'est là tout, c'est ça, je dis ici comme ailleurs, j'avais dit, ni dans le dossier ça, ni dans l'autre. Quitte ces questions corruption, quitte ces questions pour gourmet contre gang armé, eh bien, gouvernement ça, qui gagne en tête de Jovenel Moïse, pas crédible. Il gagne en pile démonstration pour le ta faire, et faut qu'il t'a levé très bonheur pour t'a convaincre le monde qui est avec Dieu, j'ai clair, et que, effectivement, et la peine de bataille contre corruption, effectivement la peine de bataille contre gang armé, puisque c'est sous lui-même, pays a vu une gangrène net avec gang, qui achetait pays à l'argent comptant,
c'est pour la première fois et même dans période opération Bagdad là nous était capable circuler et question gang yo yo était circonscrit dans zone métropolitaine et nous connaît les préval te rivé sous pouvoir problème ça t'après résoudre et après ça c'est sous gouvernement ça deuxième gouvernement tête Kalia effectivement question gang n'a pour une dimension dans capitale là et dans pays. Ça nous va jamais moi ça côté il acheté des zones là j'en content il y a déjà n'a dit ça et de temps en temps nous rappeler tout pour ça bicentenaire côté gain tout bureau pouvoir l'état ça côté gain primature côté qui gagne parlement haïtien côté qui gagne bureau EDH côté qui gagne gros commerçant côté qui gagne une équipe institution publique tant que privé entreprise et bien monde pas capable là côté gain plus gros marché pays là. Et gouvernement pas en fin de croiser bras. Au contraire, dans le mois de février, on était tenté d'utiliser nèg exam sa yo qui gagne l'autre Arnel dans tête li, qu'on reconnaît, qui te fait démonstration de force avec Zamni circulé dans toute Port-au-Prince. Et on n'y est pas trivé. On a pris venir raconter nous des histoires pour faire Timoun Dami. Et que la police pas prendre un piège pour laisser évanouir yo pour te gagner si vite. Et pendant que yo défile dans la rue Port-au-Prince. Et en plus de ça, tout le monde connaît. Venons à bagan, quel problème à question zam? Parce que non seulement le voyez chercher et de mercenaires dans pays étranger qui entrent, ça va passer dans l'immigration et qui le fait confier l'eau à États-Unis, le fait retourner à la caillou, le coucher bon côté piscine, il a mangé barbecue. Sans que rien va arriver, quand il mette figure la justice dans plate à terre dans le dossier, ça pas fait rien. Ensuite, le ministre qui était responsable là, toujours dans place li. Ça veut dire que le président par exemple, quel problème avec elle. Tout le monde qui a bon entourage président, nous aussi, il n'y a pas jamais mettre à terre, il n'y a pas jamais mettre à disposition la justice, par enquête qui veut. Donc, nous connaissons, il y a un monde qui est logique, il y a un monde qui est normal, il y a un monde qui réfléchit. Il n'y a pas qu'à quoi le gouvernement ça a mené bataille contre gang armé, c'est menti, c'est pas vrai. Vite jeune. Même non monde qui proche pouvoir qui était cité dans le dossier mercenaire là une là dedans mais qu'on est là sous cabane de l'hôpital dans pays étranger parce que tu as négocié dans non pouvoir avec des gangs pour te bailler l'argent et il bail tous les deux gangs adverses sur l'argent et une là dedans tirer le dit pour balle leçon et le gouvernement par rien il va prendre distance puis après ça va dire hey. Donc non c'est clair c'est pas bataille contre affaire des groupes gangs armés c'est pas vrai. Ce n'est pas une politique publique, pas un rien, et le gouvernement fait, il n'y a pas de problème avec ça. Au contraire, il servit avec eux, et dans le cas même alimenté, ou quitté que vous bloquez, et tout, et vous partez dans le pays, vous boit dans le pays, sorti depuis Matisse, Rivet, jusqu'à Gredos, et puis qu'on a là, vous avez un département clé dans ce qui concerne l'alimentation capitale, qui c'est un gouvernier, n'a pas parlé de département de la Tibonite, et qui est l'autre gang grand. Bon, mais je ne sais pas que tout est un député dans la Tibonite, un député Fitchéri, il a kidnappé avant, il est là dans la semaine, ça même. Donc, l'autorité va même paraître une note pour la presse, tout ça. Donc, nous sommes sûrs que ce n'est pas ça. Il y a un autre problème. Et sur la question de corruption, on ne va pas parler de ça même. Mais qui nous prend un dossier, qui nous prend un dossier dermalogue, qui nous prend quelqu'un sur un dossier, nous prend c'est corruption, tout partout. Bon, en plus de sa vitesse qu'a mettre sous série de dossiers, tant que par exemple, ce général, et puis pendant que je mettais dans le frigidaire des dossiers et tant que Petro-Caribé. Donc, nous croyons que le gouvernement, ça vraiment, si le gouvernement qui prend tout le monde dans le pays pour de cadavres sauvages, c'est bien le gouvernement ça, qui pense que par exemple, quel monde qui a l'esprit dans le pays, c'est le même seul qui a l'esprit. Donc, question à faire, Zamna, faire Mikalao, commerce Zam Gaye. Et tout le monde compte ça, et premier monde qui compte ça, et qui concerne, c'est le monde qui gagne direction pays. Non, mais il y a un premier campé. Soit à côté, tout ça, tout qui a recevoir sur plateforme intelligente. Premier coup de pied dans l'actualité internationale, là, maintenant, nous n'en pas Maraïbo, nous n'en rejoignons là, dans la zone Amérique du Sud, côté président Suriname, et alors, vraiment, c'est Désiré Bouterse. Et mais tout le monde est Desi Boutès. Et c'est un monde qui dominait la vie politique pays, depuis le pays a été pris indépendance en 1975. Et c'est un homme qui fait parler de lui, non seulement comme politicien, mais tout le Zach qui fait. Donc, il y a des amis dans le pays d'Haïti, la première, c'est Bouchetoune, n'a pas parlé.
Je connais que gen gros chabrak qui était sous pouvoir qui c'est Zanmini qui était brad sous brad ça avec d'ailleurs et petite qui était passé ici et Zanmi petite gros chabrak et puis il est après arrêté pour question drogue dans pays États-Unis. Voilà, et président Suriname Désiré Bouterse yo condamné hier pour passer 20 ans en prison d'après avoir été fait exécuter 15 opposants politiques en 1982 après il été fait un coup d'état pour arriver sous pouvoir dans ancienne colonie hollandaise. Parti dans opposition immédiatement demandé pour démissionner alors que monsieur pas dans pays là quoi il a la font visite officielle dans pays là. La Chine, et c'est un tribunal militaire qui dit monsieur coupable, et, mais il peut ordonner arrestation. Et chef l'État surinamien doit retourner dans le pays Suriname, c'est un jour ou bien dimanche, d'abord on dit samedi ou bien dimanche, mais toujours et non, c'est pas même jour, nous-mêmes l'on a dit samedi, si c'est jeudi samedi, l'on a dit demain samedi ou bien demain dimanche, bon, on doit se jeudi ou demain ou bien tout l'autre samedi, mais on pas dit samedi prochain. Et l'a annulé en partie dans visite qui était prévue pour te faire dans le pays Cuba. L'a rentré directement la CAI. C'est sa vice-président Parti National Démocratique, qui s'est parti, qui sous pouvoir, déclaré dans le journal de Routledge. Et il fait connaître qu'il était parlé dans le téléphone avec monsieur depuis le pays la Chine. Et côté monsieur mandé, parti, rassembler tout le monde pour faire une réunion pressée. Semble c'est qu'à demain. Désiré Bouterse, qui a 74 ans sous tête, et même qui dominait la vie politique ancienne colonie néerlandaise, qui a frontière à Guyane française, qui est en Amérique du Sud depuis indépendance et colonie ça, en 1975. Juste dans fin 80, il était dominé sans partage la vie politique, non? Et puis, on lui défend tant pas de pouvoir. Il est retourné sous pouvoir en année 2010. Et il vient sous pouvoir encore avec l'élection qui fait 5 ans en après. Donc, il est toujours sous pouvoir dans le moment où on a parlé là. Donc, tribunal fait qu'on est Bouterse et c'est lui-même qui était supervisé opération. Et côté des soldats qui étaient sous contrôle, li, te kidnappé 16 opposants la CAIO, là des avocats, des journalistes, des professeurs d'université, et ils ont exécuté 15 là-dedans, dans une forteresse coloniale, dans la capitale là, Paramaribo, en 1982. Il y a un dirigeant syndical, parmi les gens qui ont été arrêtés, c'était 16, ils ont exécuté 15, lui-même, lui, il est échappé. Et monsieur témoigné contre Désiré Bouterse dans crime sans pareil ça et Bouterse qui toujours nie accusation ça yo il gagne 2 semaines pour faire appel concernant condamnation gouvernement Suriname fait connaître il prend note concernant évolution situation et lance un appel tête frette dans mitan pays d'après ça yo fait connaître. N'a pas venu la caille par nous à question circulation zam gang armé qui achète pays à l'argent comptant et organise le CNDDR depuis l'arrivée là c'est sous compte John et gang a poussé Jean Rebel Dansena qui c'est porte-parole organisation ça et structure ça l'état mettait campé sous pied. Nous interview par Radio Kiskeya journée jeudi à porte-parole CNDDR là monsieur Jean Rebel Dansena déclaré commission pourquoi capable confirmer nouvelle la mort chef gang le Ginel Louis alias Tingan qui t'a commandé quartier Boston dans commune Cité Soleil. Dans l'interview Saliba et Radio Kiskeya journée jeudi à porte-parole CNDDR là fait connaître information ça arrivé joine et yo même yo jeune dans Cité Soleil parler donc ça même toujours à chercher pour confirmer parce que ni pas encore gagné confirmation concernant la mort Tiunga alors que toute sous information dans Cité Soleil parler de la mort ça depuis hier mais jusqu'à présent même CNDDR yo pourquoi je ne crois donc c'est à disparition alors mais porte-parole CNDDR là Jean Rebel dans Sénat déclaré si toutefois CNDDR est arrivé confirmé
Alors, si vous avez une quoi, nouvelle la moitié mongan, napsitel, l'État doit accompagner petit bio pour ne pas trouver dans la même situation avec papa. Yo. Teye, parce que vous dites que monsieur a fait gros investissement dans la Cité Soleil, vous parlez d'un gros hôtel que vous avez gagné. Et n'a pas coûté porte-parole CNDDR là, Jean-Robert Dorsena, et qui t'a pas parlé comme ça dans le micro, et collaborateur nous, Vladimir Maurice Guidoy. Nous-mêmes, dans CNDDR, on a pu avoir son dossier là pour nous voir quoi qui s'est passé exactement. Mais nous pouvons voir quoi. Il y a un monde qui dit monsieur mourir, il y a un monde qui dit monsieur disparaître, mais quand nous voyons quoi. Nous avons des informations sur l'achat avec Benson. Mais, nous-mêmes, pour nous donner une information sûre, à 100% vérifiée, il faut nous croire. Et ça fait nous, toute équipe sert de la travail depuis le matin. Et puis, il y a d'abord, parce que hier, nous-mêmes, nous étions dans le séminaire Action Avancée. Mais nous mettons l'équipe sous pied là, actuellement là, pour nous garder, pour nous vérifier, parce que nous pas capables d'aller sur l'humain. Nous voulons vérifier à Dieu, nous, à Denaro, nous, que monsieur est tombé, ou selon les sacrifices là, il veut. Mais, pour le moment, nous pas ouais quoi, nous pas capables de monsieur, nous, mais c'est ça. Enquête de proximité, qui ça au bail, selon le premier élément d'information que nous avons, puisque nous connaissons les médias là, les rivières rentrées dans plusieurs zones de non-droit dans le pays, notamment Cité Soleil, côté communauté, et pendant, il y a un processus de désarmement volontaire. Si on regarde lui-même qui était le chef gang, dans le sens de remettre CNDD à la qu'examen. Bon, définitivement, nous-mêmes, nous, en enquête préliminaire, nous dit M. Mouri. Enquête préliminaire, nous. Mais, on ne peut pas faire enquête sous préliminaire parce que nous, c'est officiel, nous, c'est l'État. Nous, gagnons pour vérifier à Denaro, nous, pour nous voir, est-ce que M. Vivant, est-ce que M. Mouri, qui est commissaire gouvernement qui a travaillé sur le dossier avec nous, parce que depuis que Il y a là comment Cité Soleil, qui information nous gagnait du climat et la Cité Soleil. Bon, depuis hier, il y a un pile monde qui dépassait, qui était zone de son. Un pile monde qui était caillou, ils ont localisé dans zone Louya, il y a plusieurs côtés en ville, on a identifié côté rue. Mais il a concerté avec le gouvernement le plus haut niveau pour voir comment nous capoter assistance avec nous, ça aucune difficulté. Qui s'est expliqué depuis remobilisation CNDDR là, nous avons l'impression que l'action bandit a augmenté et quantité de groupes bandits dans le pays, nous plus à faire parler de eux, au fur et à mesure, il y a tout qui connu et en bas, yeux autorité, nous dans CNDDR là, un peu le monde dans la population a estimé ou pas senti réellement important ces commissions des armements. Bon, depuis là, nous montons dans la crise. Tout CNDDR fait sentir, c'est à partir de la sécurité qui est dans le pays. Quittez nous faire enquête par nos notifiés. La semaine prochaine, nous avons une conférence spécialement sur ça, parce que pas bien, je n'ai pas quoi avec nous. Il faut nous respecter à quoi, même si il faut nous respecter à quoi. C'est ça quoi? Et parce que c'est pas lui-même qui nous coupe là, son équipe qui nous coupe là. Quittez nous vérifier avant nos bails. Voilà, c'est porte-parole CNDDR là, Jean-Rebel Dorsena. Bon, il dit oui, mais cependant, pourquoi c'est ça, il y a tant avant pour prendre position officielle. Concernant le climat, violence et sécurité qui blâme dans le pays, directrice nationale Gilles Laplan, qui est organe de l'église catholique qui défend le droit monde, Madame Jocelyne Coulanoël, pas caché tête chargée face à genre situation ça a plaité dans divers côtés dans pays. Militante doit maintenant critiquer autorité d'État yo, lui dit qu'il pas prend aucune disposition pour résoudre problème de sécurité dans pays. N'attendez Madame Jocelyne Noël Coula toujours dans micro Vladimir Maurice Edoué. Réalité violence là, avec criminalité à l'île, donc nous, toujours, il y a beaucoup qui est cassé, mais toujours, il y a beaucoup d'occupations par rapport avec violence là, et violence qui a fait
Vous êtes capable de dire oui, parce qu'il frappe tout le monde. Parce que je vous ai dit, donc vous avez des violences là, qui sont des violences que tout le monde a victime avec balle, mais continue de victime avec balle. Donc vous avez des violences là qui sont économiques tout, des violences qui sont sociales par rapport avec tout le manque de services et de base et qui est plus fort pour le monde, il n'y a pas d'accès avec service de base. Tout ça est sérieux, donc nous considérons tout comme violence. Et pour moi, c'est la priorité par rapport à ce que nous qui sommes victimes, nous qui continuons à victimes avec Balio. Donc c'est l'éclair qui fait je lance dans ce stade de cette phase, donc continuer des mondes qui a mouru avec balle. Donc si l'on regarde moi octobre par rapport avec moi septembre, donc c'est dans la partie qui fait plus que doublé. Donc moi le rôle en tout cas, nous presque fini. Donc, on est notre presque vivé dans le chiffre du monde par jour pour mois de novembre. Nous, en octobre, là, donc, c'est doublé. Et donc, t'avais dit, et violence, là, le monde qui a victime en babal, donc, il y a toujours une réalité qui n'a pas changé. Et puis, toute qualité de menace qui gagne, qui est capable de faire plus de dans ce pays-là. On est tout ce qui est capable de passer là, donc, soit situation, personne ne pas accepter. Mais toujours plus pour l'inquiétude de l'ennemi dans la justice à la paix, c'est qui qualité de réponse sérieux, conséquent, pour être à bail avec ce phénomène de la flamme et qui pas ou tout simplement en question de l'élément contre ou bien qui pas en question sur l'homme, qui pas en question par parler pour parler. Donc, ça, sans situation qui est vraiment inquiétante et jusqu'à maintenant, nous-mêmes n'avons pas qui réponse réel, concret, autorité à taille pour capable de combattre ce domaine de violence. C'est dommage. Donc nous continuer dans une situation, de violence, dans une situation de criminalité. Donc nous continuons encore pour nous mener ce domaine là. Président promet et pour rétablir sécurité. Et nous-mêmes au niveau GILAP, comment nous accueillir une déclaration ça? Tout le monde fait cette déclaration. Nous-mêmes, ce n'est pas déclaration d'Afton. L'Afton est action concrète qui est capable de justifier, qui est capable d'expliquer, qui est capable de montrer, qui paraît clair. Donc, nous connaissons que le pays a une quantité de monde qui a des armes, une quantité de monde qui est capable de munitions, j'ai ouvert, qui a un trafic d'armes avec munitions qui a fait, j'ai ouvert, donc, par quoi que le président se pose un par contre ça, pour que nous sommes capables de dire pratique ça, nous sommes capables de mettre des bouts là-dedans. Voilà, madame Justine Colanoël, qui a dirigé et JILAP, organisation l'église catholique qui a défendu Douamoun, qui t'a répondu à la question Vladimir Maurice Ridoué. Concernant le climat de violence qui gagne dans le pays, porte-parole alternative socialiste dans ASSO, Dr. Jean-Enold Buto, et non, interview de Radio Kiskeya, pas caché, inquiétude li, et puis Jean Lap vive, et avec un pile douleur, situation ça, qui est très, très, très difficile dans le temps ça, qui fait le mal en pile, pour garder qualité violence qui blaille tout partout dans le pays, spécialement dans des zones tant que Cité Soleil. Et puis après, dernier événement qui vient hier, côté, yo, parler de ZAM qui reprennent encore, avec l'homme Tiongan, l'immande police nationale la désolidarise avec le président Jovenel Moïse pour suspendre faire répression sur la population. Il exprime inquiétude li sous affaire dossier sous-géner qui instrumentalisé alors que gagne une série de dossiers importants tant que massacre La Saline, massacre Belaire, dossier Dermalogue qui par jamais fait un pas dans et tiwa la justice. Il profite rappeler c'est tout pays qui contestait présidence Jovenel Moïse. Nous avons le docteur Jean-Enold Buto et porte-parole ASSO. Jean-Jean t'a répondu à une question. Beethoven François Fils.
Bah ouais, qui ça pour le monde d'après somme clair. Parce que dans la politique, le grand objectif, c'est pas seulement, évidemment, le programme pour exécuter. Mais pour exécuter le programme, ça, le grand adhésion pour obtenir. Donc, or, la question d'adhésion, M. Moïse, pas même quoi, il y a adhésion américaine aujourd'hui, que licencié voulait balayer toute bagaille. Parce que, qu'on président haïtien, pas peur, pas crainte pour signer invasion au pays. Nous-mêmes, Haïti, qui c'est maman liberté, qui c'est berceau liberté. Dès le début que M. Moïse, va mettre dans une situation qui chaque jour plus grave dans l'obstination où il était sur question pouvoir. Depuis que bon, le demandé à aller, pas capable d'aller, tellement situation a pourri dans le même. Parce que le papier, même quand on parle, on a le bandon vers le boulot. Tellement situation a pourri dans le même. Et c'est ça qui a privé là. Il y a des couvriers, ouais, hier, on s'en écrivait, après la mort, bandit, dans la cité solaire là. Moi, j'ai témoin qui dit, mais ouais, moun sous route, et route côté, il parle hier. Des moun tout tourné qui a couru tellement de violence en bas. Ce qui veut dire que, M. Moïse a blagué pays à chaque jour davantage en situation, pas seulement des gouvernabilités, parce qu'il dit déjà la gouvernabilité. La BTPI a une situation d'invivabilité, si mon ça existe. C'est-à-dire que, côté monde, et policiers qui bon côté lui, m'a reparlé avec lui encore, m'a reparlé avec eux. Si son grand chef étranger qui dit yo soutenir M. Moïse, les lois même pour parler à grand chef étranger, ça, dit que c'est pays pas eux, c'est madame pas eux, c'est pas eux. Dit l'habitant pour eux même tout, pour eux faire sa peuple a demandé au faire, désolidariser, ressaisir, désolidariser de monstres que laissez monsieur, que le monsieur Jovenel Moïse. Là. Nous avons une considération pour nous finir sur le dossier Sojourner là, à qui rapidité, ça a marché grand pile monde qui croit ces persécutions politiques, son forme de dictature qui veut tourner là, qui nous la donne là. Maîtriser le beau test parce que M. Moïse tellement décrié, il n'a pas un réel café. Parce que au fond, pas même qu'on est si dans notre général, il y a surfacturation, il y a trafic d'influence, il y a tout ça, M. Abdi. Pas même qu'on est, et pas quoi personne qu'on est. Mais le pire, parce que en même temps tout, plus on va demander M. Moïse, quid de la Saline, quid de Dermalog, quid de Sophie Dal. C'est-à-dire, c'est tout un kyriel de dossier de corruption qui n'a même su. Et puis, il y a acharné lui contre la famille Vob. Mais tout le monde connaît que beaucoup de monsieur, c'est un réseau de petits pilleurs ou bien de grands voleurs qui a marché, ou bien qui a circulé beaucoup de monsieur. 70 monde mourir la Saline, pour que j'aime bon mandat de faire. Combien de monde y a tué sous Belin? Combien de monde y a tué chaque jour? Bon jeune homme profite à prendre le hommage. Des jeunes hommes des platinés. Que mon motocyclette passé, le crible les jeunes hommes dans la base devant Cafou Résistance. Et c'est chaque jour. Voilà, c'est dirigeant et porte-parole à son alternative socialiste, Dr. Jean-Enold Buteau, dans le micro, Beethoven François Fils. Et puis, gagnant, bon côté par l'ancien député, ancien secrétaire d'État, Jean-David Genesté, qui estimait la situation pas changée, contrairement à sa équipe tête Caléa, à Cléoné. Il dit, c'est vrai, gagnant calme dans le pays, mais c'est en apparence seulement. Parce que Fondal Natal n'a pas rien qui changé. Toute revendication populaire a été ten face. Dit quoi, Jovenel Moïse, en tant que président, a une obligation pour aller quand même, parce que d'après ça, le fait qu'on est, M. Pagani l'a dirigé. Ancien député Kai Ilavachtan, ancien secrétaire d'État, Jean-David Genesté, fait qu'on est même si Jovenel Moïse a un appui, superpuissance dans les États-Unis, l'a obligé à aller. Il rappelait ancien président Eli Lesko, te pensé tout, il était capable de là pour tout en temps, parce qu'il était un appui qu'il faut, et il était obligé de bailler talon. N'attendait qu'il n'était pas des concerts, tout sous arrestation ancien député Arnel Bélizère. Donc, il paraît prudent parce qu'il dit pas fin ou clair dans le dossier. Ça, il était répondre à une question Beethoven François Fils. Ce qui est certain, c'est que les fondamentaux de la crise haïtienne ont été intacts. Les revendications sont les mêmes et jusqu'à présent, pas gagné démarche pour faire face à la crise-là et pour répondre à l'ensemble des revendications et populaires, l'ensemble des revendications sociales. Donc, je le dis, je le répète, je maintiens, j'insiste. Donc, les fondamentaux de la crise sont restés intacts, inchangés. Et le calme que vous voyez là, c'est un calme apparent et qui annonce la tempête. C'est un calme apparent qui annonce la tempête. Mais chef l'État, quoi que c'est bité, li pas tombé, li quoi, li a fait j'effort, ouais, dernier temps ça y est, li gagne plusieurs apparitions, fait, apparitions publiques. Et en 1946, et l'ELESCO
l'espoir était pas tombé. Tout signe de montrer l'espoir va tomber, mais l'espoir et qui a pas dire moi ça. Il était toujours pensé que il y a bien appui des États-Unis, pas mieux que le gouvernement de l'espoir avait déclaré la guerre au pays de l'Axe, ça veut dire l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les pays de l'Axe, les pays qui étaient en face des pays alliés. Donc écoutez, fait plaisir aux États-Unis, mais ça n'a pas empêché avec le secteur privé à lever quand même qui gagne un peu partout dans la population, t'as pas obligé les scopati. Donc les conditions objectives depuis un bon bout de temps, plutôt 20 conditions objectives effectives pour que véritablement gagne un changement de gouvernement et faut nous dire ça, nous sommes dans un processus révolutionnaire. Voilà, c'est ancien secrétaire d'État, ancien député Jean-David Genesté, nan micro Beethoven François Fils sous conjoncture politique là. Sous conjoncture politique là, de temps en temps nous recevons un bulletin son Duvalieris assumé et maître Arthur V. Calix qui est cabinet avocat dans Port-au-Prince. Qui publié dans bulletin numéro 45, il dit pour l'histoire et pour sauver Patrian, il écrit Jovenel Moïse président et puis même opposition sous conjoncture politique là, mais ça le dit pour l'histoire et pour sauver Patrian, cabinet avocat maître Arthur V. Calix, écrit président Jovenel Moïse ensemble avec même opposition. Il fait connaître dans certains moments particuliers dans la vie nationale là, li nécessaire pour gagner de voix qui levé pour être capable porter lumière sur une situation de confusion. Citoyen total capital, la parler de tête dit, eh bien moi fait tête moi de voir ça qui pas facile pour attirer attention sous parler de perspicacité l'esprit et concitoyen yo et qui l'état criminel pour yon petit pays tant que panon Haïti qui a vivre chaque jour bon Dieu mette, li pa ka gen projet à long terme sou yon économie k'ap dodine et en plus de ça après tremblement de terre 12 janvier 2010 nan situation vin malouk net plus cyclone Matthew qui vin bay production nationale pays a un gros patachel. Et il parlait de deux patries qui en cause yo deux parties plutôt ils font deux parties qui en cause yo pour pas arriver en temps yo et pour chaque bon côté par eux yo voulait pour toute bagaille à terre plate et ça non causer ça c'est raissement c'est parce que une pas qu'à prendre sans l'autre c'est parce que pas gain en quel côté qu'à rencontrer et dans dissension yo pour sauver nation. Événement n'a vu journée jodi a, l'en a bien gardé, c'est toujours mettre Arthur V. Calix qui a parlé. C'est des bagages faut que nous regrettions. Nous doit en harmonie avec route ancêtre yo te tracé pour nous qui mène nous dans un horizon que n'a gardé qui chita sous sincérité. Pas de gagner une c'est concorde et puis avec dignité. C'est miwa nom. C'est ça Socrate qui c'est pas patience morale l'a dit. Le miroir de l'âme. Pays a une situation qui est extrêmement délicate. Et qui mande pour moun gen l'adresse et pour moun mette donan du vin au tout par rapport à la jan mentalité générale nous y est. En pile fois ba yo confus dans tête pour nous pas clair. Donc, c'est un devoir pour tous deux partis qui en cause, la parler de président, à opposition du qualifié de radical, de pas les qualifiés des conseils qu'on avait avant, pour yo montrer que yo capable d'arriver joindre mon côté pour yo rencontrer. Dit, faut que yo gagne une détermination farouche de préférence pour yo assurer, sous plan politique, que pays a stable, que sous plan financier, paysan capable vivre parce que paysan journée jodi a l'après les gang tout le pays parti quitel li pa ka kembe même kele vitio tout pays prend devant Haïti demander pour pouvoir à opposition penser axe pour rejoindre une gens pour résoudre problème ça pour raison ça nation li, d'après ça le dit et à conscience un citoyen yo
yo même yo ta doué accrocher yo dans dernier concession que Dieu tutélaire k'ap veye sou nou de la race et patrimoine commun nou gen ensemble nan ki c'est Haïti. Tout citoyen ta doué faire j'effort pour monter citoyen yo ye dans comportement civique yo, dans patriotisme yo, dans nationalisme yo et dans humanisme yo pour sauver Haïti. D'ailleurs, nous déjà dans 5e acte théâtre sa kap jouya. Et pour nous qui connaît théâtre, il dit là dans théâtre ou dans 5e ou bien dernier acte lan 5e nan est toujours tragique. C'est toujours mettre Arthur Vekalix kap pale. Il dit devant orgueil tous les deux parties yo et particulièrement devant position irréductible et qui youn pa vle et quitter pour l'autre opposition l'a gagne un seul porte pour sortir c'est prend pouvoir lui dit à sauter dit va au pouvoir et président et lui-même est capable passer même gens avec Vilbrun Guillaume Sam donc Vilbrun Guillaume Sam nous population ta prendre dans ça été les délégations françaises qui était ambassade de France dans sa pays a été un bouleversement terrible selon lui-même si que le 5e acte dans nous qui toujours tragique si pas gain rien qui fait pas gain l'autre issue pour opposition c'est varé pour prendre pouvoir et ça aboutit à un deuxième Vilbrun Guillaume Sam dans ça qui concerne président et patria lui-même l'a effondré il dit pas gain monde qui souhaitait ça et il dit si au cas tous deux partis pas ta capable arriver et pas t'arriver nan pour faire une dernière concession donc de ça c'est pour le temps 7 février 2022 alors si prévoir le pire mais en même temps la prêcher pour ta gagner badadi mieux mais peut-être une situation de statu quo donc si pas qu'arriver mais Jovenel Moïse atteint 7 février 2022. Bon, 7 février 2022, on croit d'assa le président Kapé installé Parkinson. Hein? Donc ça avant 7 février 2022. Parce que 7 février 2022, il y a déjà un autre gouvernement qui supposait venir. Donc c'est